je passe la parole à Madame Plessis. Moi, je serai très, très brève. D'abord, je veux vous dire merci d'être venu. Ça nous fait un immense plaisir. Et surtout, je voulais vous rappeler que c'est le 10e anniversaire de la disparition du fondateur de la cathédrale Albert Plessis, qui était un des vôtres, combien. Et à travers moi, il vous accueille aujourd'hui. Merci d'être là. Voilà, c'est... Merci. Cette exposition se fait dans le cadre des journées de l'image professionnelle et je passe la parole à Vincent Vertoleu. Alors moi, je n'ai pas la voix de Marc, on va rapprocher un peu. Bon, alors nous sommes ici à double titre, et même je dirais à trois titres. Nous sommes ici pour inaugurer la vallée de l'image. Nous attendions le ministre, nous pensons qu'il a dû s'égarer. Vous êtes ici sur une colonne vertébrale qui s'articule. Nous assistons à un démarrage d'un centre qui sera donc dédié à l'image professionnelle et qui s'inaugure ici aujourd'hui. La cathédrale d'image est née en 1977. C'est le dernier enfant, si j'ose dire, d'Albert Plessis. Avec Albert Plessis, était président de l'association des gens d'image et qui l'avait fondé, c'est lui qui a fondé le prix Niépce, le prix Nadar, et sa dernière et folle réalisation a été la cathédrale d'image. Qu'est-ce que c'est exactement ce journée d'image professionnelle? Eh bien, c'est une réunion de tous les groupements motivés de la photographie professionnelle. C'est une espèce d'osmose enfin, de toute la photographie professionnelle qui se réunissent en même temps pour communiquer, changer leurs idées, leurs options sur l'avenir et également pour, créer des projets ensemble. Je crois qu'il faut signaler que c'est la première fois officiellement dans le cadre d'Égypte où le GNPP et la NPPM acceptent de faire quelque chose ensemble. Michel Gaillard de la Sotexi, c'était un investissement financier mais c'est aussi un investissement personnel. Vous étiez 12 je crois. Oui, absolument. Alors pour vous, si on doit faire un bilan maintenant? Le bilan, l'opération n'est pas terminée, mais je crois qu'il est déjà très positif. Ne serait-ce que, tu vois, à travers tous les gens qui sont ici, et puis les contacts exceptionnels qu'on prend avec tous les photographes dans ce cadre sympa, je crois que c'est super réussi. Okay. Emmanuel Rubin, c'est Art Visuel, c'est la marque, l'entreprise qui représente Ademco, et pour toi c'est la même chose? Exactement la même chose, les gens sont juste des quatre coins de France, de Strasbourg aussi bien que du nord, de Beuvry, etc. Donc c'est vraiment un... Avant d'être déjà international, c'est déjà très très fortement national. Voilà, applaudissez-les, regardez. C'est vrai que c'est émouvant. Alors voilà. Voilà le trophée de la communication. Bravo Vincent et merci. Alors j'espère que cela va continuer et j'espère que Kodak pourra être un participant pour le futur. Voilà, Amanda, merci beaucoup. Voici un petit cadeau, le logo des journées de l'image professionnelle. Merci beaucoup de m'avoir invité, vraiment je suis désolé d'être un petit peu en retard, mais enfin je suis là et je trouve tous très sympathiques et je reviendrai vous voir si vous m'invitez une autre fois. L'année prochaine alors. Yeah.